On va avoir une petite sœur. C'est-à-dire que tu pars déjà de la maison comme ça. Oui. Non mais je rêve. Non mais tu vas pas creuser pour enterrer tes jouets quand même. Tu vas avoir une petite sœur. Mais elle t'a vraiment envoyé ça par message. Alors en gros c'est une photo de l'enfant là. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Mais qu'est-ce qui se passe, Silly Rose? Bon allez, salut à tous ses amis. Non mais salut à tous ses amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors à la base j'étais super content de la faire, mais parce qu'on devait faire une vidéo 24 heures. Mais non, ça va pas se passer comme prévu, désolé. Non mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu ranges tous tes jouets dans ça? Non mais si tu veux, il y en a même là. Enfin je veux dire. Oui mais Stéphane. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une petite sœur. On va avoir une petite sœur. Du coup j'essaye de les cacher. Non mais c'est quoi ça? Non mais qui t'a dit ça? Je sais plus, c'est papa. Non mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas lui. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 minutes. C'est qui alors? Qui t'a dit ça? C'est papa. Non, c'est pas... Bah oui, je m'en doutais que c'était elle. Donc les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre en commentaire hashtag petite sœur. Et dites-nous en commentaire si vous avez un petit frère ou une petite sœur. Non mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas te mettre dans tous ces états, mais tu vas pas déménager la chambre pour ça. Si. T'es sûr? Oui. Bon allez, bah pars tout de suite alors, prends même tous tes coussins et tout. Mais tu vas plus jamais revenir ici. Plus jamais. Non mais tu vas faire quoi de tes jouets? De toute façon, tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais inonder la pièce. Tu vas inonder la maison, mais tu peux pas. Et d'ailleurs, mes affaires, ton téléphone et tout, elles sont passées où? Tu les as déjà cachées? Oui, je les ai déjà cachées. Bon allez, surtout. Bah pars avec ça. Mais moi, je veux des informations, comment elle te l'a dit? Bah elle m'a dit, bon tu sais. Raconte-moi tout. Non mais elle te l'a dit par téléphone. Oui. Non mais c'est n'importe quoi. Moi je pense que c'est un fake, c'est faux. Alors dites en commentaire si vous pensez que c'est vrai, mais c'est pas possible. Et du coup tous tes autres jouets tu les laisses ici. Oui c'est pas grave. Et pourquoi tu les bouges d'ailleurs? Je vais les enterrer. Non mais pourquoi? Non mais tu vas pas enterrer tes jouets. Et pourquoi tu fais ça? Parce que. Non mais le bébé il va pas arriver dans 2 jours. T'as le temps. C'est-à-dire que tu pars déjà de la maison comme ça? Oui. Non mais c'est n'importe quoi. Bon allez, regardez tout ce qu'elle a pris, regardez tout ça, tout ça est vide. Non mais Liros, c'est une blague, tu peux pas partir. Mais non, c'est pas une blague, je vais faire allez, ça, je te le promets. Rentre ici, tu vas m'expliquer. Je vais prendre ma grande poupée, c'est nanana. Non allez, là, moi j'en ai marre, allez. Prends toutes tes là, affaires. C'est bon, moi j'en ai marre. Allez, à tout de suite, les amis. Vous me saoulez. Bon alors là c'est n'importe quoi parce que j'ai perdu Liros et non mais je rêve. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Non mais tu fais quoi là? Alors désolé pour le vent les amis, mais là c'est n'importe quoi. Mais y a un trou là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Liros? Je suis en train de mettre mes jouets en sécurité. Non mais tu vas pas creuser pour enterrer tes jouets quand même? Bien sûr que si. Non mais c'est n'importe quoi. Mais et puis pourquoi tu fais ça au fond du jardin? Et pourquoi pourquoi tu fais ça d'ailleurs? Non mais attends, je rêve. Tu vas pas les enterrer dans des sacs plastiques, dans si, des sacs poubelles? Protéger du bébé, moi. Non mais c'est n'importe quoi. Et tant qu'à faire, mets ça là-bas. Bah si, voilà. Allez, quitte à faire ça, autant enterrer tous tes jouets, mais c'est n'importe quoi. Alors là, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça. Et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que va faire comme Liros comme bêtise. Parce que là, je trouve que c'est particulièrement n'importe quoi. Mais ça va pas marcher comme technique. Tu vas plus jamais les retrouver, c'est tout ce que tu vas faire. Je vais les retrouver. Bon, allez, et t'avais pris quoi d'autre comme jouet? Tout ça, t'avais pris tous les jouets de la chambre. Mais c'est n'importe quoi. Ça marche. Moi j'ai un truc à te proposer. Cool. Alors poste ta pelle. D'ailleurs c'est même pas une pelle, c'est un truc pour la neige. Liros, c'est une pelle à neige. Qu'est-ce que tu fais? Bon allez, donc là ce qu'on va faire c'est que... Regarde-moi. Quoi? Ce qu'on va faire c'est qu'on va enquêter pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais ça se trouve c'est vrai. Moi, alors je moi je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va enquêter parce qu'ils ont forcément des échographies. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les échographies, c'est des photos où on voit le bébé à l'intérieur du ventre là. On va chercher ça, d'accord? Et si bébé on en trouve, Jean, ça veut dire bébé. Que c'est vrai. Donc allez, reprends tout ça là. On va les mettre à la rigueur dans le garage si tu veux les protéger. Mais ça va pas du tout ce que tu es en train de faire. Tu te rends compte des bêtises que tu nous fais faire? Oh mais regarde tous les jouets, regardez. Alors surtout faites jamais ça chez vous. Allez, moi je prends ça. Toi prends le sac. Toi prends le sac poubelle et la pelle parce qu'on va encore se faire rouspéter. Et cette fois ça sera vraiment de ta faute. Si tu veux qu'il te déteste, ça va être. Tranquillement et toi, tu me de quoi bien tranquillement? T'étais en train de saccager le jardin et surtout tous les jouets de la chambre. C'est n'importe quoi. Bon allez. Bon, moi j'en ai marre. Donc si tu me crois pas, moi je vais te montrer la preuve. Non mais de quoi? Alors là, déjà que t'as enterré tes jouets, tu vas me montrer une preuve maintenant. C'est ça. C'est quoi ça? Attends, montre. Punaise, c'est quoi ça? Attends, je sais pas si vous pouvez voir les amis. Tu vas avoir une petite sœur. De qui? C'est qui? Mais c'est maman! Punaise, mais elle t'a vraiment envoyé ça par message.
Oui. C'est-à-dire qu'elle te l'a dit par message. Mais t'es sûr que c'est pas quelqu'un qui lui fait un prank avec son téléphone? Mais je sais pas, mais je pense pas, parce qu'il y a bien écrit maman. Non, et... mais attends, attends, attends. Moi je vais l'appeler, d'accord? C'est pas moi. Moi je vais l'appeler avec mon téléphone. Punaise, j'espère que ça va aller. Attends, attends. Allô? Oui, oui, c'est Esteban. Non, mais c'est vrai ce que t'as envoyé à Lily Rose ou pas? Quoi, c'est vrai? Bah, si, c'est-à-dire qu'on c'est va vrai. Vraiment avoir une petite sœur. Regarde, mais vraiment, j'en ai la preuve. Non, mais c'est n'importe quoi. Attends, remontre le message. Attends, au revoir là. Punaise, non, mais c'est. J'ai répondu, hein. Non, mais c'est sérieux ça? Attends, oui, non, mais comment sérieux. C'est possible? Non, mais c'est la vérité, punaise. Mais Lily Rose, comment on va faire? Moi, je pensais que c'était un prank. Mais en oui, fait, c'est mais... vrai. Non, mais attends, mais vraiment, prends tes jouets. On va vraiment. On va chercher une preuve, d'accord? Ouais. On va chercher une preuve. Donc là, les amis, restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, on sait que c'est vrai. On sait qu'il va y avoir une Pink Lily vidéo 2. Alors peut-être que qu'elle va remplacer Lily Rose sur la non chaîne. Bon, allez, vite, on part. On part. Pas, toi, ah non, mais. Je ah bon, tu me détestes? Bah, je moi aussi, mais. Mais en tout cas, il faut qu'on trouve une solution pour que ce bébé arrive pas à la maison. Sinon, on va encore avoir des problèmes. Ça va être n'importe oui quoi. Bon, allez. Donc là, on rentre. On va essayer de trouver une preuve. Et surtout, on va l'en empêcher. On va bloquer la chambre. Allez, ouais, à tout de suite. Donc là voilà les amis, j'ai un message très spécial pour ma maman. C'était pour lui dire que je suis pas du tout contente qu'elle a fait ça. Vraiment je suis pas contente. Lily Rose, j'ai trouvé un truc. Alors attends, attends, il faut le montrer aux amis là. Alors vite, 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 viens dans le jardin. Alors là je sais pas si vous allez voir, mais c'est super important. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là les amis, regardez ce qu'on a trouvé. Enfin ce que j'ai trouvé. C'est quoi ça? Mais c'est une échographie. En plus, il est grand! Alors, en gros, c'est une photo de l'enfant, là. Regardez, il est déjà grand, c'est-à-dire qu'il va bientôt arriver. C'est une blague! Il va arriver dans 6 mois, en gros. Non, mais attends, attends, mais attends. Attends, on peut pas lui dire qu'on a fouillé. Mais non, mais c'est mon téléphone, c'est pas à cause de lui qu'il y a ça. Donc là, je pense que on va essayer de voir mais notre comment mère. Comment on va faire? Bah, je sais pas, on peut. Vite, en... on va parler. Viens. Je pense qu'on peut empêcher le bébé d'arriver, Lily Rose. Bah, comment? Bah, on bloque la chambre. On bloque la chambre et on reste dedans jusqu'à ouais, la mais fin. Mais quoi quand il arrive, il sera quand même là. Parce que là, j'ai reçu un message qui dit que notre mère a acheté des trucs pour le bébé et qu'il veut remplacer ta chambre par sa chambre. Si, mais non, mais tout le monde veut faire ça, c'est impossible. Mais pas chez nos grands-parents, mais dans notre, de, dans mais notre maison, la quoi. Tienne. Dans notre vraie maison. Pourquoi bah, je sais pas, parce que c'est une fille, donc elle veut que le bébé aille avec une fille. Du coup, on est obligé d'aller bloquer non, ta chambre. Ça non, c'est bon. Allez, on peut rien faire, donc là, on va aller bloquer la chambre, ok? Allez, on compte sur vous les allez, amis pour nous parti. Soutenir. Allez, on compte sur nous pour nous soutenir. Allez, vite, vite, on va bloquer cette chambre. Oh là là, c'est pas possible, j'ai trop peur que ça tourne mal. J'espère que notre mère va pas arriver. Bon, allez, on a allez un peu de temps. Oh, il est joué. On les a oubliés là-bas. Lily Rose, vite, viens. Vite, viens. Punaise, on a oublié les jouets. C'est pas possible ça. Punaise. Attends. Attends, imagine attends, c'est. Et attends. Ils sont plus là. Attends, il est quelle heure? Il est 18h, notre ouais mère est rentrée du travail. Ça tombe, elle a pris les jouets. Attends. Vite, vite, vite. Alors désolé les amis s'il y a du vent. Mais là c'est urgent là. Oh non ça tombe, tous les jouets de Lily Rose ont été pris. Oh punaise. Ils sont plus là. Oh non. Ben voilà, t'as perdu tous tes jouets, t'es contente à vouloir les enterrer. Non, je suis pas contente. Au lieu de les cacher au grenier ou n'importe où. Oh là 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 là. Punaise, on les a perdus. C'est impossible. Bah si c'est possible avec la carte Kiwi et en plus on les a perdus. Oui, non, mais c'est pas drôle là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va bloquer non, la chambre. On va bloquer, allez, ouais. Vite, on va bloquer la chambre. On va peut-être les mettre dans le grenier, ouais, le reste non, des jouets, c'est parce bon, que. C'est bon. Ouais. Allez, on est marre. De toute façon, je pense qu'on sera bon pour aller on dormir. On a tout le temps des trucs comme ça ouais, là, c'est bon énervant. On sera bon pour aller dormir au grenier, vu comme c'est parti. Ouais, bon, allez, là, sans le grenier, on va le rénover, on va faire des trucs allez, trop bien. À tout de suite. Allez. Donc là, voilà. On est dans le grenier. Alors, on est au grenier pour ceux qui connaissent. On avait déjà fait ouais des 24 heures et tout ici. Donc, désolé si je fais un peu sombre, on n'a plus la attends, lumière dans attends, le grenier. Donne la lumière, non, on n'a plus la lumière et la chambre est bloquée. Donc, notre mère est bien arrivée, c'est elle mais qui a pris les jouets. Grenier, c'est normal, hein. Elle a pris les jouets pour le bébé. Donc, ouais, on sait pas quoi faire. Je pense que là, on va être obligé de faire une chambre avec tout ça. Ouais. Donc, là, Lily Rose a perdu tous ses jouets. Vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos quand les on. Les habits, mes habits, la plupart des habits, elle les a pris. Ouais, il y aura encore des vidéos quand on pourra filmer dans la. Ouais. Dans l'autre maison, mais là voilà. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la bulle magique. On est vraiment on désolé. À la bulle magique, on est désolé vraiment, mais parce c'était que là, on voulait, voilà. Non, mais c'est, on l'a su qu'aujourd'hui. Quoi. On voulait vous montrer le bébé, mais bon, il est pas encore ouais arrivé, donc allez, à tout de suite pour la bulle magique. Et c'est même parti. Je vous en montrerai pas. Donc voilà, on ouais espère que cette vidéo vous a plu, mais avant tout, on va passer à la bulle magique. Donc merci beaucoup à Noah, à Vladimir, Dimir, à Samir et à comment il s'appelle déjà? Inès. Félix. Oui, Félix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir une chambre. C'est très important pour dormir. Et plein de jouets. Enfin, ça dépend de vous si vous aimez ou pas, vous comprenez. Allez, au revoir.